Salut à tous! Salut! Et bienvenue dans un nouveau vlog d'Halloween! Ouais! C'est parti! Un vlog de soirée d'Halloween qui commence où? Sur un banc! Assis sur un banc! À la soirée sur un banc, 5 minutes avec toi. Ah oui, vas-y, à dépression. Parce que, la soirée n'a pas encore commencé. Non. Il y a encore les guests de la journée qui sont pas encore tous sortis. Il est 19h30, la soirée commence officiellement à 20h, 20h30. Donc on attend, mais... On n'attend pas, on verre comme des âmes en peine. Mais disons qu'il y a plus de 55 minutes à Phantom Manor. Pirate, il y a 40 minutes, BTM est fermé, Peter Pan est fermé, ouais, donc tout le monde Small World, je crois qu'il y a 50 minutes, Space Mountain est fermé, Autopia est fermé, voilà. Ah bon, Autopia est fermé? Oui, Autopia était fermé. Bon, voilà. Donc voilà, donc il reste les files d'attente pour les personnages. Lady Tremaine, il n'y a pas grand monde. Edgar, en face de nous, il n'y a personne. Derrière nous, il y a Facilier, il y a quelques personnes, mais ça va. Oggy Boggy, il y a... 2h30, 3h. Parce que oui. Les copains, ils sont là. Hein. C'est Alice Markel. À partir de 20h30. À partir de 20h30, hein, donc voilà. Autant vous dire que voilà. Prince Jean, il y a une demi-heure à partir de 20h30. Prince Jean et le shérif, ils sont les deux. Hein. C'est flou, hein. C'est flou, mais il y a des lumières. Donc c'est toujours flou. Non mais c'est bon, là c'est bon, là, c'est bon. Bon mais écoutez, on va voir, on va voir si on arrive à voir la parade, si... Mais ça commence pas très bien. Ah, c'est soirée d'Halloween. 89 euros la soirée. Allez. Good to you. Allez, venez avec nous en tout cas. On verra bien. Elle m'arrache le vlog, elle m'arrache le vlog. On va faire pas la météo du jour mais la météo du soir, enfin le point météo. Le point météo du soir, voilà, c'est mieux hein, de suite. Hein. Je sais pas pourquoi ils nous filment de là, je sais pas. Alors, voilà, j'ai fait un peu vert et violet avec du liner. Ceux qui nous suivent sur Instagram, ils le savent déjà. Oui, suivez-nous sur Instagram. Point de météo de nuit, soir. Il fait humide, voilà. Ouais, mais il pleut pas. Mais il pleut pas. Il a plu un peu cet après-midi, mais là il fait humide et il fait pas trop chaud non plus, quoi. Hein? Non. Petit jersey, petit teddy, petite écharpe, enfin voilà quoi. Voilà, c'est humidasse, dégueulasse quoi. Hein, on en est là, bon, comme d'hab quoi, c'est tout net. Beaucoup de personnes, parce que je réfléchis, il y a beaucoup de personnes qui sont déguisées quand même. Ouais, c'est un truc de dingue. Je me rappelle pas, il y a deux ans qu'il y a autant de monde déguisé. Il y en avait, mais. Cette année, franchement, il y en a énormément quoi. Il y en a, c'est vraiment. C'est des cosplays c'est du, quoi. Ouais, c'est du. C'est du c'est boulot. Des cosplays ouais. Et tellement bien que ça a fait un attroupement et elles se sont fait sortir les portes. Non, on sait pas si elles se sont fait sortir. Mais la sécurité veut. Pas de scan, mais de la sécurité. Voilà, donc ça fait. C'est quand même ça, c'est un peu dur quoi. Vous payez l'entrée, tu fais un truc de dingue. Et parce que tu fais de l'attroupement, vous croyez que la parade tout à l'heure, il n'y aura pas les attroupements ou quoi? Bref. Ça dépend de la parade qu'il y a. Il y a trois chars, ça va être ça. Je sais que ça va être. Si c'est la parade de journée, si on n'a pas une parade spéciale avec les vilains ou quoi. Flash. Non, ça fait flasher les gars. Ça fait flasher les gars. Bon, sur ce, et à tout à l'heure. Hein. Hein, voilà. En plus, en plus. Enfin, ils nous ont mis la musique d'Halloween. C'est 20h. C'est 20h. La soirée peut enfin commencer. On fait la première photo lock. Alors, ça arrive dans une demi-heure. Et on est là. Voilà, et on va voir Edgar. C'est pas souvent qu'il sort. Non. On l'a jamais vu. Moi j'ai jamais vu. Voilà. Edgar, exclusivité Disneyland Paris. Ah eh ouais, eh oui, tu vois, eh oui. Il râle tout le temps. On a des trucs sympas quand même. Voilà, et il y a Facilier juste en face, il y a un peu de monde, mais bon, peut-être qu'on va le faire, on va voir. En tout cas, ça fait plaisir, ils ont allumé le château en vert. Je vais vous le filmer. De toute façon, si j'arrive pas à faire trop d'attractions ou trop de personnages, au moins vous verrez le parc de nuit. Et sous les lumières d'Halloween. Voilà, s'il y en a beaucoup, mais il y en a un petit peu quand même. Allez, c'est parti. Ça y est, on y arrive. Allez, c'est à nous. On va voir Edgar. Bonsoir. Hey. Ils dorment. Ah,
à cette heure-là, les petits dorment. Bien sûr. Vous en prenez bien soin quand même, hein. Vous en prenez bien soin quand même. Oui, bien sûr. Ils ont mangé. Ils ont très bien mangé. Oui. Ah. Ah, délice à Edgar. Et maintenant il dort, c'est bien. C'est bien, c'est sympathique. Quelle aura. Non. Oui. Ouais, c'est pas. Hein, il est trop cool, il est marrant. Ouais, franchement, ouais, j'oublie à chaque fois qu'on peut enlever les masques en fait pour prendre la photo. Ouais, on oublie. Je me pèle le cul. Il fait un peu froid quand même. Voilà, il fait froid, je commence à avoir. En fait, il fait un peu froid, je sais pas combien il fait. Ah, il fait 11, hein. Ouais, on est pas assez couvert, quoi. Bah si, moi avec la moumoute, là ça va, mais j'ai froid aux jambes en fait. J'ai juste un jean et moins fort le monsieur. Il fait un peu froid. Et c'est flou, hein. Ça va. Ouais, mais c'est la lumière, donc le vlog sera flou, mais voilà, on a l'habitude. J'ai le masque qui remonte. Hein. Ça va être 21h. Ouais. La parade est à 21h30, donc ouais, on va se placer et on va filmer. Il y a les copains qui vloguent là. Normalement, vous avez vu leur vlog, il est sorti avant le nôtre. Ça peut vloguer moins fort là. Vous faites un peu de bruit, messieurs dames. Ah bah vous aussi, hein. Salut. Vous faites un peu de bruit, hein. Le parc n'est pas à vous. Je suis insider, monsieur. D'accord. Oh là là, allez vous faire foutre. Allez, au revoir. Changement de tenue pour Amélie. Elle a acheté ce bonnet tout à l'heure. Oui, c'est mieux sans les ears. Regardez comme il est joli. Si on y voit, voilà. Il est joli. Ouais. Mais ouais, elle a trop froid. Mais ça fait une fosse. Et parce que tu dois l'enfoncer un peu plus. Hein. Je peux pas, sinon on voit plus les yeux. Et ça fait un pli derrière et tout. Oh là là. Bon allez, on va regarder la parade, on est prêt, elle est là dans 20 minutes. Parfait, parfait, on t'attend parade, on t'attend. Non mais Amé, qu'est-ce que tu nous as fait là? Mais qu'est-ce que t'as fait avec tes cheveux là? Déjà remets ton masque, il est où ton masque? Mais oui, mais là, mais parce que j'ai envie d'étacher mes cheveux. Allez, coiffeur, fais-nous une mise en place. Oh là, oh, on se fait blasher. Ah oui. Moi j'ai froid. Mais qu'est-ce que tu fais avec tes cheveux là? C'est bon là, c'est bien là. Mais elle s'en sort. Allez. De toute façon, j'ai froid les gars. Alors, vous savez quoi, je m'en fous au bout d'un moment. Ah, voilà. Mais il est trop beau ce bonnet. Ça fait joli avec les cheveux. Qu'est-ce que tu fais? Thank you.
c'est bleu. Ben c'est bleu parce que Ninou pas content. Oh oui, Ninou, hein, Ninou pas remboursé content. Allez, ça y est. On est parti. Ben franchement, la parade, c'est la parade de journée quoi. C'est la même parade que vous avez la journée. Voilà, sauf que les lumières sont allumées parce que c'est la nuit. Et voilà. Il n'y a pas de performeur dedans, devant, il n'y a rien, il n'y a rien. Il n'y a pas Poucha et Bercy encore. Là c'est. Je râle pas souvent, mais là franchement, Disneyland Paris, vous nous prenez vraiment pour des cons. Quoi. Ouais, non, pour des vaches à lait. Parce des vaches à pied. Parce que là. Là tu mets une soirée payante, mets 2-3 chars de plus, sort des vilains, c'est Halloween, il n'y a pas un seul vilain, c'est à la parade. Voilà, il n'y a rien, donc bon, déçu. Déçu de la parade, pas déçu de la soirée, mais la parade, zéro. Ah, oui, oui. Allez, on continue. On verra. On va voir. Attention. Un peu fou, ah ouais putain, on a froid. Bon, on est allé manger, j'ai pas filmé. Et là, il y a le chat maléfique qui va passer, donc on va le filmer. J'espère qu'il va cracher devant nous pour nous réchauffer. Parce que je commence à claquer les dents. Voilà. S'il crache du feu l'année prochaine, il va chez Patrick Sébastien. Il est en recherche de ronflement. À Pandora avec les lumières violettes, mais on n'est pas à Pandora, non, pas encore, non, peut-être un jour. J'ai acheté un bonnet du coup, oui, mais on l'a montré déjà ton bonnet, oui. Ah, ben voilà, et bon, on a vu le char, il est très beau, et de nuit ça aura encore mieux. Ouais. Et là, il y a un show sur le hub, sur Central Plaza, juste là. Et c'est la Skeleton partie de Dingo et Max. Donc on va regarder ça. Halloween. Ça veut plus. C'est le gala de danse. Non mais c'est qu'elle a froid surtout, hein. C'est trop froid. Oh. Hello. Oui. Sans plus d'attendre, veuillez accueillir celui qui va nous faire danser ce soir. Le plus drôle des amoureux d'Halloween, le plus loufoque du DJ. Un tonnerre d'applaudissements pour DJ Danon. Joyeux Halloween, Disneyland Paris. Est-ce que vous êtes prêts à danser? DJ Danon au platine, c'est parti. Oups, j'ai dû me tromper. Ok les amis, pas grave, c'est reparti. Est-ce que vous êtes là? Oh, j'ai encore dû me tromper de disque. Désolé les amis. Oh là 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 là. Attendez. Dingo, qu'est-ce que tu fais? Mais qu'est-ce que c'est que ce costume d'Halloween que tu m'as choisi? Oh la loose quoi!
C'est une catastrophe. Je crois que DJ Dago n'est pas vraiment dans le coup ce soir. Je suis en train de gâcher la soirée d'Halloween. C'est terrible. T'inquiète, Dingo, mais l'ambiance, ça me connaît. Et je suis pas venu seul, laisse nous faire. Ok, le coup, vous êtes prêts? Disneyland Paris, c'est parti! Oh, j'adore cette chanson, mec, tous ensemble! T'inquiète, t'es prêt à reprendre les platines le temps que je me trouve un meilleur costume d'Halloween? Avec plaisir. Ok le coup, je compte sur vous pour mettre l'ambiance avec Dago. A tout à l'heure. A tout à l'heure, Max. Ok tout le monde, c'est reparti. Bravo. Comment j'appelle la lumière, regarde. Oh, c'est pas mal, c'est sympa ça. Oui, ça c'est chouette. Ça c'est sympa. C'est pas un vrai show structuré, mais au moins ça mettait l'ambiance. Voilà, moi j'ai dansé, je me suis réchauffé, ça va bien. C'était bien. Et là, dans 20 minutes, il y a le show. Y aller. Dans 20 minutes, il y a le show du vilain. Voilà. Donc on va le regarder. C'est parti. Pour laisser s'exprimer le vilain qui sommeille en nous.
Êtes-vous prêt à vous emparer de ce monde merveilleux? Chers âmes en perdition, bienvenue à la cérémonie de clôture de cette soirée fantomatique. Je suis Shane et voici Envy. Nous avons été envoyés par Hadès, roi des ténèbres, pour prendre possession de ce monde merveilleux. Nous allons donc débuter cette célébration par 40 minutes de silence. 40 minutes? Non mais t'es sérieux là, Shane? Déjà qu'on arrive sur une musique hyper lourde, genre qui écoute encore ça en 2021? Non mais franchement, on m'avait pas vendu ça quand on m'a dit qu'il y aurait une ambiance mortelle! Oh là, c'est tellement plus heureux que j'ai limite une allergie. Laisse-moi faire! Avec une vision d'avenir et une situation capillaire pour le moins impeccable, notre vrai gentleman, Gaston ! Qui est avec moi ? Le capitaine de navire, enfer, nous fait l'honneur d'être avec vous ce soir. Oh, c'est le Roméo tactique, mais ne lui parlez surtout pas de TikTok. Le capitaine Crochet. Je vous salue ! Avec nous, vous êtes contre nous. Ce sorcier est un génie du mal. Il vous fera cracher votre venin, le féroce, Jafar. It is me, Jafar. Eh bien, sans déconner. J'ai rien vu, voilà, je vous le dis, j'ai rien vu du tout. C'était lui la chier. Ça n'avait aucun sens, voilà. Aucun sens. On a vu les vilains, mais les vilains qu'on connaît déjà. On voit toute l'année. Qui nous ont présentés, mais bon, on les connaît. On a vu personne. Louise, il y avait des performeurs qui dansaient très bien, ça, il n'y a rien à dire. La femme a chanté très bien. La femme chantait très très bien, mais je ne l'ai pas filmé quand elle a chanté la chanson de... Hocus Pocus. Mais sous les trois sorcières de Hocus Pocus, non, mais elles ne sont pas. Voilà. Non mais écoutez, elles sont orlandoises, on peut pris l'avion. Non, là surprise. Ce spectacle de clôture, ouais, non. Dingo et Max c'était beaucoup mieux, qu'on s'est plus régalé. Ah ouais. Bah allez, on va faire le tour des Landes pour voir un peu ce qu'il y a dans les Landes, mais on n'est pas promis. Là, mais pas du les tout, spectacles, c'est très moyen. C'est limite. En plus, vous avez vu qu'ils ont fait du recyclage quand même. Et à la fin, c'était les squelettes de sport. Mais oui, c'est bien sûr. Sérieux. Après 9 euros là, l'entrée, tu sais. Bah allez, on y va. Bon, on est à Frontierland. Il y a un joli mapping là-bas sur Phantom Manor. On va aller voir. On pensait apercevoir Oogie Boogie qui était ici, mais il n'y est plus. Alors déjà, il a eu une heure de retard et je suis pas sûr que toutes les personnes qui ont fait la queue depuis 18h pour arriver au final à 21h, je suis pas sûr que tout le monde ait eu sa photo. Non, mais la soirée, on m'y reprendra pas.
c'est ma dernière soirée Halloween à Disneyland Paris, ça c'est certain. Et j'en connais un qui va bien rigoler, n'est-ce pas Olivier? Allez, on va regarder le mapping de Phantom Manor. Frontierland, on va passer par la zone Coco qui est thématisée sur la Dia de los Muertos, et de nuit c'est pas mal quand même, donc je vais vous le montrer, il n'y a pas que du négatif, on n'est pas en colère, c'est juste qu'il faut pas trop nous prendre pour des cons, voilà c'est tout, mais on passe quand même une bonne soirée, heureusement, heureusement, sinon on serait déjà rentré à l'hôtel. Que el cielo no es azul, ay mi amor, que es rojo dices tú, ay mi amor, ves todo al revés, ay mi amor, creo que piensas con los pies, ay mi amor, tú me traes un poco loco, un poquitito loco, estoy adivinando qué quieres y pa' cuándo, y así estoy celebrando que me he vuelto un poco loco. Bon, on est à Adventureland là. On est juste devant le Skull Rock. Et on va regarder le mapping qu'il y a. Il est. Bon, mais elle est au bout de sa vie. Elle a froid. Bon, il y a le mapping là, mais je vais vous le refiler. Mais franchement, c'est bien. C'est joli. Ça justifie pas les 89 euros. Mais c'est joli. Le trésor du Black Pearl est dissimulé dans mon crâne. Trouvez-le et libérez-vous de sa malédiction. Qui sera suffisamment courageux pour entrer? Bon, on va finir la soirée à Discoveryland, voir ce qu'il y a, le filmer un peu de nuit parce que c'est vrai que c'est très beau par contre Discoveryland de nuit. Là on va traverser Fantasyland mais il n'y a rien à Fantasyland, il n'y a aucune animation, il n'y a rien. Donc voilà, on va finir à Discoveryland. Et je tiens à préciser que nous avons fait aucune attraction ce soir parce qu'il y a plus d'une heure à Phantom Manor, là il y a 45 minutes à BTM, mais il vient d'ouvrir il y a une demi-heure, il était fermé toute la soirée, et depuis 17h je crois il est fermé, il a réouvert là à minuit ou à 11h30, et ben voilà, puis il fait très froid donc on n'a pas vraiment envie de faire d'attraction. C'est horrible. Là tu subis ta soirée. Ah oui, là ça y est. Là je fais putain, mais j'ai le tête avec ce qu'on est, c'est pas possible. Allez, on va disco. Putain. Alors, après cette soirée fantastique, finalement à Discoveryland, il n'y a rien, il n'y a plus rien. Voilà. Donc, est-ce qu'on s'amuse? Je vais sortir. Donc on va clôturer vlog là. Parce que sinon, ça va partir. On va pas aller plus loin, c'est pas la peine. Hein. Non. Donc on se retrouve la semaine prochaine pour le vlog de demain, la dernière journée sur le parc. On espère que ça sera mieux qu'aujourd'hui. Enfin, on a passé une bonne journée quand même, oui, mais là, la soirée... Là, j'avais de la bijou. Non, c'est pas possible. C'est... Voilà. On en reparlera. Vous vous rappelez de Nico sur le banc à Disney World? Ouais. Mais ça a été ça toute la soirée. Ouais, sauf il y a... que... C'est même pas un bon mec. Il y a rien. Sauf que... Hein, rien que dalle. Où est Lou? Non, mais on n'a pas fait d'attraction. On a vu Edgar, mais c'est tout. Oui, il y a plus de personnages maintenant, c'est fini. Voilà, BTM, vous oubliez, il y a... Il y a 45 minutes. Il a 45 minutes, il y a 45 minutes de queue. Je l'ai dit. Ah, pardon, excusez-moi, j'ai pas entendu. Je l'ai dit. Non, j'en ai plein le. Donc écoutez, c'est avec le plein le.
qu'on va aller se coucher. On vous fait des gros bisous. Et on vous dit donc à la semaine prochaine. C'était Amé. Et Lilou, et on vous fait des bisous. Bye.